Bonjour à tous. Allez, on passe un petit peu à la correction du cas 05 avec d'abord vos commentaires que nous avons passés en revue tous ensemble. Alors, c'est clair que il y en a une seule et unique qui a trouvé, et magnifiquement trouvé. Et j'ai trouvé notamment que c'est surtout les messieurs qui se sont fait gauler par tout le cinéma que nous fait cette remarquable actrice. Ils ont pris la ligne, l'hameçon et le verre. Ils ont tout gobé. Alors, on va déjà voir ce que notre Véronique ici a dit, que je remercie d'ailleurs d'avoir participé. Palladium, platine, voilà, je suis indulgent, je ne tire plus sur tout ce qui bouge. Merci de votre contribution, Véronique, mais en effet, on peut voir palladium, platine, pourquoi pas. On va un petit peu regarder tout ça. Alors, je crois que, voilà, c'est toujours la même Véronique. Pour la seconde photo correspondant à l'héroïne du film. Ben, c'est très bien vu. Vous avez très bien travaillé. En effet, vous avez bien reconnu l'ambiance de l'héroïne. Alors, je vais essayer de reprendre les photographies. Voilà. Vous voyez cette espèce de douceur, le regard dans le vague. Vous voyez toute cette ambiance de la photographie qui est un petit peu tamisée, qui adoucit tout. Cette extrême douceur rend bien l'ambiance du film et de l'héroïne et de tout le cinéma associé aux manifestations du médicament que l'héroïne dépeint si magnifiquement dans le film. Donc bien vu, je pense en effet que c'est l'image numéro 2 qui dépeint complètement notre héroïne. Vu d'ici, n'importe qui dirait plus Attila. Mais il faut avoir une seconde vue. Il faut vraiment faire attention, comme le recommande Hahnemann, d'avoir une neutralité en regardant les cas. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une neutralité? La neutralité, bien sûr, on a tous normalement en tant que médecin une neutralité bienveillante, à part certains médecins qui n'ont pas réglé leurs problèmes personnels, mais ça c'est une autre histoire. Et au-delà même de cette neutralité, l'idée c'est de prendre assez de recul pour regarder un petit peu tout ce que nous exprime ce patient et ne pas se laisser embobiner, entraîner dans son jeu, comme c'est le cas des médicaments de la série que nous allons décrire avec ces trois grands remèdes voisins et qu'on peut comparer entre eux. Le médicament qu'il faut soulever ici est un médicament des plus fréquents. Vous n'imaginez même pas, on en a des légions d'enfants et d'adultes qui ont besoin de ce médicament. Le fait d'ailleurs d'en avoir besoin n'est en rien péjoratif. Vous avez absolument de toutes sortes de personnes, mais l'essentiel, c'est de repérer ici ce qui est pathologique dans l'expression de la personnalité. D'accord? On va voir un petit peu les autres réponses. Voilà. Nous avons Patrick, que je salue ici, qui me fait tant de douceur et de mélancolie, de soumission, font penser à Pulsatilla. Eh bien oui, mais ça fait que penser à Pulsatilla. Comme ça, vous aurez le diagnostic différentiel du remède plus Pulsatilla. Vous verrez un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir participé aussi. Alors, le bon Alain. Le bon Alain nous évoque platine, nux, la késis, avec le beau décolleté. Voilà. Le second, romantique à souhait, fait penser à Pulsatilla. Mais justement, non. Cette espèce d'excès de romantisme, cet excès de douceur, l'idée que vous devez avoir à l'esprit quand vous verrez ce genre de patient, toujours en prenant un petit peu de recul, vous allez fermer les yeux, vous allez écouter, vous allez regarder les mimiques, les gestes. Et vous allez dire, mais il y a quelque chose de trop. C'est too much. Il y en a trop. C'est ce trop qui va vous faire penser aux médicaments qu'on va évoquer. D'accord? Alors, les portraits des femmes, tigresses, etc., je veux bien, en effet, mais si on prend déjà celle-ci, vous voyez que là, il y a un côté un petit peu souriant, complètement grimé dans les. Dans le maquillage ici à outrance, le bleu des yeux est exagéré, probablement à coup de retouche d'image, mais il y a une séduction presque avec un côté infantile qui ici peut faire penser à premier à Iosiamus, mais vous avez le droit d'évoquer d'autres médicaments. Quant à là, le portrait, voyez, on revient dessus, ça n'a rien à voir avec cette ambiance romantique extrêmement trop douce et trop romantique qui évoque le remède qu'on va donné éventuellement à cette chinoise. Et vous voyez ici en comparaison,
avec celui-ci qui est extrêmement agressif, complètement d'une, comment on pourrait dire, la 6-bitoulka était là. Il dirait que c'est extrêmement sexuel, basique. C'est vrai que la femme s'est un petit peu marquée là-dessus, sur son front, quand est-ce qu'on baise? Et cette espèce d'assurance carnassière, le premier remède qu'on doit évoquer, bien sûr, là-dessus, c'est quand même platine, platinum metallicum, et éventuellement, pourquoi pas, tous ces petits dérivés, enfin, tous ces petits voisins, comme palladium, etc. Mais en premier lieu, ici, ce serait pour moi d'abord une vision de platine. Alors on va revenir à cette personne mystérieuse là ici. Quel est donc le médicament qui se cache sous ces monceaux de tendresse, cette douceur extrême, cette gentillesse? Et je vois tous les jours des confrères se faire vraiment bananer en rentrant dans le jeu inconscient de ces patients, qui expriment d'ailleurs par là une forme de souffrance. C'est bien normal, mais c'est à nous de la diagnostiquer, de trouver le médicament qui est adapté à l'état psychique sous-jacent, et non pas de nous prescrire un médicament qui ne convient qu'en surface à l'expression des symptômes. Je ne sais pas si vous me suivez bien, c'est ça qui est important. Ne pas prescrire sur juste l'écran de fumée, en somme. Et du coup, voilà, Alain s'est fait avoir, il se marie avec l'héroïne, et il va être bien malheureux parce que dans quelques temps, mon cher Alain, tu n'auras plus voix au chapitre à la maison, parce que ce sont des gens très autoritaires. D'ailleurs, tu as qu'à voir, l'héroïne décide elle-même, unilatéralement, d'aller sauver tout le monde en se rendant chez le chef des méchants pour lui faire son numéro de grand spectacle et même le retenir. Donc ça ne pourrait pas du tout être quelqu'un de Pulsatilla, puisque Pulsatilla, elle a toujours besoin d'être cachée derrière quelqu'un, d'être prise en charge, etc. Il peut y avoir bien sûr du courage chez les gens Pulsatilla, mais prendre une telle décision seule, aller au cœur du danger, ça me semble complètement incompatible avec Pulsatilla. Alors, la Jocelyne nationale, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Voilà, la première platine, l'air hautain, etc. Je suis entièrement d'accord. Genre, quand est-ce qu'on baise? Yosiamus, etc. Ok, donc là, je passe. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit encore Pulsatilla, Jocelyne. Pour cette nana, non, ce n'est pas Pulsatilla du tout. Voilà. Comment tu me dis Pulsatilla alors qu'elle joue de la séduction dangereuse, tu l'as vu? Et là, voilà, j'y arrive. C'est notre Sophie qui décroche le gros lot. Bravo, Sophie. Tu ne me déçois pas une seule minute, je trouve que tu as très bien répondu à mes attentes. Le trio infernal, platine, Vératrum, Yosiamus, bingo. La charmante chinoise est bien dans l'ambiance de Vératrum, les gestes, voilà. C'est la femme d'un grand général, comme une certaine Carla. Elle a l'air soumise et effacée, mais beaucoup trop sûre d'elle, voilà. Vous lirez ici le commentaire de Sophie, je le trouve tout à fait excellent, je pense qu'il n'y a rien à ajouter, elle a tout à fait vu le problème. Je vous développerai dans une deuxième vidéo la façon de voir le Vératrum album. Mais ici, vous êtes devant un cas, ou plutôt une expression caricaturale de Vératrum album, qui est le grand concurrent, le pseudo-Pulsatilla, le pseudo-Phosphorus. Le point d'entrée de Vératrum, c'est too much. Cette femme est tellement trop tendre, tellement trop sensible, tellement trop douce, tellement trop dévouée, tellement elle s'occupe des bêtes et des animaux et des enfants et des machins. Vératrum, pour survivre, a besoin d'être l'incarnation du modèle de ce qu'attend la société. Le problème de Vératrum, c'est d'être à l'affût à chaque seconde, adapté à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Ceci est très proche de Yosiamus. Nous verrons dans une seconde vidéo donc aussi les rubriques répertoriales qui vous font penser à Vératrum et de quelle façon, jusqu'à présent, je suis tranquille de vous dire, vous avez loupé des tas de Vératrum. Voilà. Donc, Sophie, sans pitié, a remarqué que les hommes se sont tous fait charmer par le Vératrum. Eh bien oui, et je crois qu'on continuera de se faire avoir aussi par les Vératrum, mais bon, c'est le jeu. Donc, bravo Sophie, très bien vu. Merci Joséphine aussi d'avoir participé. Et voilà, donc elle intime le silence, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on a là aussi quelque chose de complètement discordant. On se tait, la petite jument doit accoucher, il faut pas faire de bruit, puis elle impose ça à tout le monde. Mais c'est complètement dingue. Dès qu'on prend un tout petit peu de recul, c'est complètement grotesque. On ne va pas non plus tout chuchoter dans une salle d'accouchement, de peur de faire du bruit, que le bébé ne sorte pas. Tout ce cinéma, ça aussi, c'est caractéristique de Vératrum album. D'accord?
Et donc, c'est très bien étudié. Phosphorus aurait pu convenir. Forte empathie, oui, c'est de l'empathie, mais c'est de l'empathie exagérée, cinématisée, mise en valeur, théâtralisée. Alors voilà, muriatique acide ici n'a que le côté pacifiste, mais n'a pas tout ça. Et pour les portraits, c'est très bien travaillé. Platine, pulsatilla, sauf le toujours mon fameux Veratrum que pas beaucoup de monde n'a vu. Et Yosiamus, voilà, un brin exhibitionniste, c'est tout à fait ça. Belaïd, salut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà, le contraste entre l'hypersensibilité et la violence d'une guerre. Et du coup, Belaïd, tu t'es fait avoir encore par les femmes, j'ai l'impression, à ton âge. Hein, bravo. Voilà, tout ça, c'est ce que tu soulignes, c'est tout de la séduction. Hein. La séduction dans le sens que tout est trop much, les gestes sont excessivement trop marqués, trop doux, quand elle plie le petit matériel pour faire le thé, etc. C'est complètement hallucinant, complètement Vératrum. Ces gens s'expriment toujours avec beaucoup d'affectation. On verra la rubrique affectation simagrée qui est absolument caractéristique du médicament. Alors donc, merci, mais c'est pas Pulsatilla, Belaïd, c'était Vératrum. Alors, Clément, oui, c'est pas grave. Je suis content que vous vous intéressiez à l'homéopathie et il faut travailler, travailler, travailler. Alors, merci d'avoir souligné que Hahnemann est notre étoile du matin, c'est elle qu'il faut suivre. Platinum, Pulsatilla, c'est pas mal. Lachesis, oui, non, un petit peu plus Yosiamus, je pense, mais ça ne fait rien. Voilà. Alors, c'est bien. Vous avez vu que c'était pas Pulsatilla, mais carcinosine phosphorus. Voilà, c'est le diagnostic différentiel. Avec Vératrum album, il faut se méfier de carcinosine. Et souvent, chez l'enfant, on peut se planter parce que vous avez un enfant qui, en apparence, est tout le temps inquiet, aux petits soins pour les autres. On vous décrit, par exemple, la grande sœur qui s'occupe des petits. C'est la véritable maman. Elle prend soin de l'enfant modèle, machin. Et on tombe dans le panneau, on donne carcinosine. Cependant, les deux médicaments peuvent avoir le désir de sel, carcinosine et Vératrum, bien sûr, mais il y a une soif pour de l'eau froide, en général, dans Vératrum, qui n'existe pas à ce point-là dans carcinosine. Il n'y a pas le désir de chocolat autant que l'aurait carcinosine dans Vératrum. Et surtout, ce que vous allez voir dans le Vératrum, c'est le comportement de séduction. L'enfant Vératrum a toujours besoin de séduire. Alors, dans un premier temps, vous verrez, ce sont des enfants, c'est des filles. Elles ont toujours le rêve de princesse, de carrosse, de tout ce qui peut être épatant, épater les autres. Et vous voyez ici la proximité avec Yosiamus. Et si vous êtes, par exemple, femme de président de la République et que vous êtes invitée par la reine d'Angleterre à défiler en carrosse, ça, c'est quand même le parachèvement total du trip Vératrum album. Et là encore, vous pouvez continuer d'épater la galerie pour dire à quel point vous êtes proche des enfants, etc. Quelque part à l'intérieur, bien sûr, c'est pas complètement simulé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est absolument exagéré, intensifié, théâtralisé. Donc, carcinosine, phosphorus, c'est très bien, c'est les deux diagnostics différentiels. Voilà, qui était très bien travaillé. Donc, c'est bien. Vous n'êtes pas hérétique du tout. En tant que commandeur des croyants, vous avez mon absolution. Alors, notre ami Brett, carcinosine, natromure, phosphorus, pulsatilla, bravo. J'ai droit à tous les diagnostics différentiels et tu ne me donnes pas Vératrum, alors. Hein, bravo. Tu l'aurais épousé du premier coup, toi aussi. Hein, tu prends tout, hein, l'hameçon, la ligne, tout le tralala. Bravo. Bon, Henri, à la prochaine. Francis, oui, c'est vrai que j'ai pas été cool avec vous, là, hein, quand même. Hein, la première platine, Pulsatilla, la Casis, pourquoi pas. Et puis là, un petit coup de phosphorus, ben voilà, je ne vais pas me répéter. Annie-Paul, bonjour. Alors, féminité, position sociale, etc. Ok, l'héroïne, compassion, la calligraphie, voilà, ça aussi, c'est très bien vu, vous voyez, tout le truc. On est au-delà du raffinement, c'est too much. Notez aussi une chose très importante, c'est la voix de l'héroïne. Même si on était en chinois, la chose qui devrait quand même pas vous manquer
que vous n'auriez pas raté. C'est cette espèce de voix très enfantine. Je m'excuse de ne pas y arriver, mais vous avez des dizaines de cas de Vératrum dans vos cabinets où vous avez cette espèce de voix presque trop douce, trop veloutée, trop raffinée, trop douce. Vous avez bien vu comme je suis gentille. J'arrive pas à le faire, je m'excuse. Moi-même, je suis réputé à être méchant, donc forcément. Mais voilà, c'est au-delà, c'est sur-raffiné, c'est sur-gentil, c'est too much, c'est Vératrum. Là encore, cette attention, cette féminité, etc., est vraiment trop pour faire, je veux dire, honnête. Comme disait l'autre, c'est Tripoli pour être honnête. Et ça, c'est Kadhafi qui fait comme ça. Alors, pansexuel, c'est très bien vu aussi. C'est-à-dire qu'on a affaire à tout un scénario de séduction, de douceur, de sensualité, etc., etc. Mais les Vératrums rarement passent à l'acte. C'est-à-dire qu'on a aussi ici ce paradoxe qui est qu'il y a une séduction tous azimuts, surtout pour arriver à asseoir sa position, à être la femme du chef, la copine du chef, etc. Et après, sur le plan sexuel, il se passe normalement pas grand-chose dans Vératrum. En effet. C'est ce qui distingue ici d'ailleurs de Iosiamus. C'est donc tout ça de très bons commentaires. Voilà. Alors, ce que vous avez très bien vu aussi, c'est cette idée-là, sauver le peuple, sauver son mari. Eh bien, c'est au-delà d'Ignatia. Allez, je résiste pas à vous faire une petite remarque du répertoire. Voilà, on va chercher les illusions de Vératrum, Vératrum album. Alors vous avez plein de délires, etc. Mais voilà. Alors, vous avez ceci, il est en communication avec Dieu. Il est distingué. Elle se croit enceinte. Vous avez aussi beaucoup de femmes qui font, en étant Vératrum album, des grossesses nerveuses. Il y a un tel besoin d'être la mère parfaite, de s'occuper totalement des autres, d'être dévouée, alors qu'ils ne peuvent pas assouvir ça sur le cheval, sur les animaux, etc. D'où le piège d'ailleurs qui consiste à leur donner des nénuphars lutéops sous prétexte que vous avez trouvé que c'est une personne qui s'occupe des animaux, qui a une attention exagérée pour les animaux. Ben, vous êtes tombé dans le piège. Ce n'est pas ça. C'est Vératrum album. Et donc, je voudrais, voilà, il est un grand personnage, parce que ça, c'est comme ça qu'il veut être, bien sûr. Il est un personnage de haut rang, il est un prince, etc. Il est persécuté. Ce sont des gens qui se plaignent tout le temps, qu'il n'y a rien qui va, etc. Et l'idée de base, c'est que, globalement, l'idée de Vératrum, c'est de se prendre pour le sauveur, c'est de se prendre pour le Christ au besoin, c'est cette notion que je vais être celui qui va sauver tout le monde. Voilà. C'est pour ça que ce comportement, comme vous l'avez vu dans le film, du coup, devrait complètement vous flasher à la figure. C'est l'image totale de Vératrum album. Voilà. Francis, qui vire sur carcinosine. Michel, Polycrès, etc. Carcinosine, pourquoi pas. Voilà, vous êtes fait encore avoir. Merci Michel. Et pour terminer ici, Eva-Louise. Alors je m'excuse, je ne sais pas le prénom du nom dans ce cas particulier. Donc, le platine et le deuxième, non pas Pulsatilla, mais bien Vératrum. Et le carcinosine qui vous a tous embobiné aussi. Voilà, donc en tout cas, bravo Sophie, tu as fait un super carton, tu as ramassé tous les points. Il ne me reste plus dans la vidéo suivante que j'espère vous faire paraître demain, plus qu'à vous développer un petit peu ce qu'il en est de Vératrum album dans cette indication. Merci beaucoup pour cette attention et à tout bientôt pour la suite.